myself. Take me right back to the start. Et bien salut tout le monde, c'est Connor, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas ça va super les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur notre nouvelle série tuto déco. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un chemin. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'utilise un pattern pour faire un chemin pour aller vraiment un peu partout. C'est vraiment n'importe quel thème, ça peut être à la campagne, des champs, une ville, n'importe. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai repris un peu le style du buisson que j'avais fait à l'épisode 1. Donc pendant la construction je vous le ferai pas, donc si vous voulez aller voir comment le faire, regardez l'épisode 1, mais là aujourd'hui je vais me concentrer que sur le chemin. Donc pour faire le chemin, bon là, la dimension peu importe, hein, là j'ai vraiment pris une dimension assez moyenne pour qu'on ait de la place. Et après j'ai utilisé différents blocs, donc je vais vous montrer justement comment les placer pour obtenir un chemin comme ça. Et je fais une petite ellipse et on se retrouve pour la construction. Et re les gens, donc c'est bon, on va passer à la construction. Donc déjà, il vous faudra une pelle. Avec la pelle, vous allez faire des chemins. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous allez prendre 5 types de blocs. Donc moi perso j'ai pris la pierre taillée, l'andésite, le gravier, la brique de pierre et la terre compacte. Et ce que vous allez faire, c'est vous allez remplacer un petit peu, voilà, vous allez casser et vous allez en mettre un peu n'importe comment, cherchez pas à faire quelque chose de propre. Parce que comme je dis toujours, quand on fait quelque chose de propre, eh ben, ça donne un résultat dégueulasse. Donc vraiment faites n'importe comment. Vous en mettez un peu n'importe où. Voilà, on va dire comme ça, c'est bon. Et ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque fois, vous allez reprendre un bloc et puis pareil, vous allez remplacer. Donc ce que je vais faire, c'est comme ça va être trop long, je vais vous mettre juste un petit accéléré et on se retrouvera à la fin. Et donc voilà les gens ce que ça donne pour notre chemin. Donc là j'ai bien utilisé tous les blocs. Donc on voit que bah, ça a un petit charme. Ça a un petit style. Et là on n'a pas fini. Alors ce que je vous conseille, c'est vous allez prendre des murs en pierre, des barrières, donc la couleur que vous voulez. Moi perso j'ai pris en chêne. Et là pareil, vous allez mettre n'importe comment et vous allez faire des limites. Là ça a l'air d'être bon. Et ce que je peux vous conseiller, c'est pour donner un petit peu quand même de vivant au chemin, c'est à certains endroits, donc là où il y a la terre compacte uniquement, vous allez casser et remplacer par de l'herbe. Vous allez mettre des petites tulipes. Moi j'ai essayé avec d'autres fleurs, mais franchement parmi tous les tulipes c'est les meilleures. Vous allez vraiment en mettre très peu, 4 ou 5. Je vais mettre de l'herbe, voilà. Voilà, donc là on peut dire que c'est ok. Et donc voilà les gens, donc après si vous voulez refaire celui que j'ai fait à côté,
Il faut refaire les buissons de l'épisode 1, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous n'avez pas checké la vidéo. Et sur ce, j'espère que ce petit tuto pour faire un chemin vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On va fixer un objectif 20 likes, les gens. N'hésitez pas à commenter, à partager à vos amis et votre famille aussi sur les réseaux sociaux et de vous abonner pour les nouveaux. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. 1, 2, 3, 4.